Comment allez-vous? C'est le grand jour! Oui. On est le 7 octobre et c'est le jour du lancement de la nouvelle collection. C'est dans même 15 minutes exactement. J'ai cru que j'allais pas réussir à rentrer à la maison à temps. Parce que ce matin, c'était la panique avec les deux filles emmenées, l'une chez la nounou, l'une à l'école. C'était branle-bas de combat, j'étais trop à la bourre ce matin. Je me suis dit non mais... Il faut absolument que je rentre à temps pour ce lancement. Donc grosse pression, mais j'y suis arrivée. J'ai même eu le temps de me faire mon petit matcha. Donc tout va bien. Mais je dois vous avouer quelque chose, je suis un peu stressée. Eh oui, comme pour la première collection en fait, j'ai le stress là qui a commencé à monter hier soir. Parce que j'ai fermé la boutique et j'ai enfin pu bah, du coup refaire la page d'accueil. À changer les liens, mettre, enlever toutes les fiches produits qui étaient en brouillon, les mettre disponibles, revérifier que tout allait bien et tout. Et donc là, voilà, j'ai réalisé, c'est devenu plus concret et bah, je suis trop stressée. Mais c'est trop mignon parce que j'ai déjà reçu plein de petits messages ce matin me disant qu'ils étaient sur les starting blocks pour la nouvelle collection, qu'ils avaient hâte et tout, donc ça me fait trop plaisir. Et aussi le vlog que j'ai sorti hier sur le lancement de cette collection. J'ai eu plein de retours positifs. Donc voilà, ça fait chaud au cœur. Merci à ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire vraiment sous les vlogs YouTube, qui prennent le temps de liker et tout. Ouais, ça fait trop plaisir, ça motive parce que franchement, je gagne rien à faire ces, à faire ces vlogs YouTube. Je pense que là, depuis le tout début que j'en fais, j'en suis à 50 euros, je crois que j'ai gagné sur, voilà, sur le nombre d'heures et de jours et de semaines travaillées. C'est pas grand chose. Donc c'est vraiment pour le plaisir que je fais ça, parce que j'adore partager avec vous. Ça fait des beaux souvenirs aussi. Et voilà, mais donc du coup, bah, les petits commentaires, bah, c'est ça qui motive à continuer. Il va falloir que je poste aussi le réel pour annoncer l'ouverture de la boutique et juste que j'enlève le mot de passe sur la boutique et ensuite bah, ce sera officiel, la nouvelle collection sera en ligne et puis bah, après bah, s'il y a des commandes, j'espère, et je vais m'atteler à toutes les préparer aujourd'hui, enfin toutes. Je vais en faire le plus possible aujourd'hui puis je continuerai le reste de la semaine. On va voir aussi niveau stock si je ne vais pas me retrouver encore avec des produits épuisés rapidement. C'est possible parce que il y a certains produits que je n'ai pas commandés en beaucoup d'exemplaires, ne sachant pas si par exemple le papier à lettres. Alors moi je sais que j'adore, mais je ne sais pas si les gens se disent « Ah non, j'écris pas, donc ça ne sert à rien que j'achète du papier à lettres et tout ça, vous voyez ». Donc on va voir, le papier à lettres j'en ai pas pris beaucoup par exemple, mais si je vois que ça plaît, qu'il y a de la demande, bah, j'en recommanderai. Ces produits là je peux les avoir plus rapidement, donc il y aura peut-être 15 jours d'attente, un petit peu plus juste si je dois remettre du stock. Donc voilà, j'espère que ça ira, qu'il n'y aura pas trop de frustration, mais je peux pas vraiment me permettre à mon échelle en fait de commander en beaucoup de stock et que ça se vende pas, parce que du coup bah, déjà que je gagne pas énormément d'argent sur chaque vente, si en plus en fait je fais de la perte sur certains produits, du coup voilà, ça devient très très compliqué. Et il y a aussi une question de stock, d'espace, enfin, voilà. Donc pour l'instant je fais comme ça, c'est normal, c'est que la deuxième collection, donc je tâtonne encore, mais ensuite j'essaierai de commander plus quand je vois que ça plaît, voilà, les quantités. J'ai déjà commandé plus pour le réassort de certains produits de la première collection. Donc voilà, vous savez tout. Bon, encore 15 minutes, donc je vais siroter mon petit matcha, peut-être me regarder un petit vlog en attendant, et puis on se retrouve pour le lancement. Lily Rose m'a fait un petit dessin pour m'encourager, enfin voilà, un petit coloriage avec des stickers. Beaucoup trop chou et ça va parfaitement avec la déco. Ok, il est 10h, voyons voir. Hop, si
Le site est ouvert, normalement c'est bon. Donc voici la nouvelle page d'accueil avec cette photo qui représente la nouvelle collection. Et j'ai fait aussi un petit texte explicatif pour parler de Midori, donc parce que ce ne sont que des produits de la marque Midori. Donc voilà, j'ai écrit ce petit texte et puis hop, on peut découvrir les nouveaux produits en ligne. Voilà. Bon, heureusement, il y a une abonnée qui m'a prévenue. J'avais oublié, il y avait un prix qui n'était pas affiché. Les petits trombones cœur étaient à 0 euros. Elle m'a tout de suite envoyé un message en me disant, il y a un prix qui a été oublié. Adorable. Et donc, j'ai pu remettre le bon prix. Ouf! Ouf! On a évité un drame. Et donc, j'ai publié ce petit réel. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre en espérant qu'il y ait des commandes. Bon, en fait, ça y est, les commandes commencent à arriver. Il y en a déjà 5-6 là. Donc, je vais tout installer et commencer à emballer tout ça. Donc encore une fois, je vais tout mettre par terre parce que c'est juste plus simple pour vite trouver les produits. Donc voilà, je vais faire ça maintenant. Le placard pour l'instant où je range tout, mais très vite ça va devenir pas suffisant vu que j'ai toute la collection art de la table qui arrive bientôt et le reste de la papeterie. Donc clairement. Là, ça va être compliqué. Et voilà, j'ai fini de tout sortir. Et je vais préparer maintenant la table dans la salle à manger. Donc voilà, comme la dernière fois, j'ai fait ma petite table de travail dans la salle à manger. J'ai tout remis. L'imprimante, les cartes de remerciement. Donc ceux pour qui c'est la première commande, je glisserai celle-ci. Et pour ceux dont c'est une deuxième commande, je leur glisserai la nouvelle carte de remerciement. Voilà, j'espère que je vais pas louper. M'en voulez pas si je suis passée à côté, que vous avez deux fois la même carte. Là, de quoi écrire les petits mots à glisser dans la commande, les stickers. Et cela. Et cela.
Et le papier de soie, j'ai aussi ces enveloppes blanches. Alors, quelqu'un m'a dit qu'elle avait été déçue parce qu'elle avait reçu une enveloppe comme ça et pas le papier de soie dans sa commande. Quand j'ai eu 100 commandes à faire d'un coup toute seule, c'est vrai que quand il y avait vraiment que un ou deux articles, ça allait beaucoup plus vite de les mettre dans ces enveloppes transparentes. J'avais quand même mis un joli sticker, il y avait quand même la carte de remerciement. Mais voilà, c'était aussi un gain de temps énorme. Ça prend beaucoup de temps d'emballer, surtout les petites choses avec le papier de soie. Donc en période de lancement, je fais au mieux. Mais je comprends tout à fait et je vais essayer de mettre du papier de soie le plus possible. Allez, c'est parti, on va imprimer le premier bon de commande. Bon, d'abord, on enfile les lunettes parce que en vrai de vrai, je suis bigleuse. Hein. Donc pour pas faire d'erreur dans vos commandes, même si ça peut arriver, je reste humaine. On enfile les lunettes. Donc, voyons voir où on en est. Alors, 21 commandes à préparer. Donc c'est parti, c'est parti. On commence avec la première. C'est la commande Véronique. Véronique me suit sur Instagram et était vraiment très fidèle et aussi sur YouTube. Et c'est adorable, c'est déjà sa deuxième commande. Voilà. J'adore reconnaître aussi les noms de ceux qui me sont fidèles depuis toutes ces années, qui me soutiennent dans tous mes projets. Et ça me fait plaisir de voir qu'ils sont là aussi pour Monoé, que ça leur plaît la sélection. Donc je vais préparer avec beaucoup d'attention cette commande, Véronique. Hop, c'est parti. Véronique a commandé ces beaux stickers. Il y a deux feuilles dedans, donc sur la thématique un peu de la Scandinavie, de la nature, les animaux. Il y a ceux-là qui sont trop jolis et ces grands stickers sur lesquels on peut écrire. Elle a pris également ce carnet avec la couverture en tissu. C'est vraiment comme un vrai livre que vous pouvez ranger dans votre bibliothèque avec les pages décorées à l'intérieur. Et le papier à lettres chat avec ses belles enveloppes. Hop, donc comme c'est une deuxième commande, on met la nouvelle carte et je vais écrire un petit mot. Donc comme vous le savez, je suis blessée au poignet à la main gauche, donc je dois porter cette attelle pendant 6 semaines. Et le problème, c'est que je suis gauchère, donc pour écrire les petits mots, ça complique, j'ai du mal à tenir bien mon stylo. Et ma kiné m'a donné ce petit rouleau de mousse là à mettre autour de mon stylo. Pour pouvoir avoir une meilleure, qu'on appelle ça, grip en anglais, une meilleure prise, voilà, pour pouvoir écrire plus facilement, parce que sinon j'arrive pas à bien forcer, à avoir assez de force. Donc voilà, les petites solutions de MacGyver. Hop, donc, le petit stylo flamant rose qui est aussi
disponible sur la boutique. Voilà. When was this update? Because I didn't receive any. Comment perdre du temps sur une journée déjà bien remplie? J'avais un souci, je n'arrivais pas à imprimer les labels de la poste. En fait, je passe par un. Comment on appelle ça? Une sorte d'entreprise tierce pour gérer tous les labels et tout de la poste. Et en fait, ils ont une application sur Shopify. L'application ne se chargeait pas. Je ne pouvais pas imprimer les labels. Et je suis restée une heure au téléphone avec le service informatique, etc. La galère. Mais ça a l'air de fonctionner maintenant. Donc, je vais essayer de rattraper mon retard. Mais ça m'agace tellement de perdre du temps pour des choses comme ça. Ah! Voilà, désolé, il y aura peut-être un peu de retard. Allez, c'est parti, on va imprimer tout ça. Moi, je suis super touchée parce que je viens de voir que dans une des commandes, il y a quelqu'un qui a mis un petit tip. Vous savez, c'est une sorte de pourboire. En fait, Shopify propose cette option. On peut proposer de, si on veut, donner un petit pouvoir pour soutenir en fait les small business. Et du coup, bah mine de rien, à la fin, ça fait voilà 1,19€ en plus sur la commande parce qu'on peut choisir le pourcentage du tip. Et voilà, je suis trop touchée. Ça me touche trop, en plus ça vient d'une abonnée qui est pareil, qui me soutient énormément, qui m'envoie des petits messages, qui est toujours là. C'est elle aussi sa deuxième commande. Et voilà, ça touche vraiment parce que je sais qu'elle fait ça pour soutenir pour tout le contenu que je propose aussi gratuitement tout au long de l'année sur mes divers réseaux sociaux. Et voilà, ça me va droit au cœur. Merci Noël. J'enchaîne la préparation des commandes. Je vous montre celle-ci. Il y a les petits clips trombone fleurs. Moi, j'aime bien m'en servir aussi comme marque-page. Il y a plein de stickers. Tous les nouveaux stickers. Donc ceux-là, les cosy marrons. Assez chouette pour notamment son agenda ou son bullet journal. Ces deux-là. Qui sont vraiment trop beaux. Donc, ceux-là, c'est les animaux de la forêt. Hop, avec les plus grands comme ça. Et celui-ci, c'est Scandinavie. Scandinavie, donc, qui est assorti au carnet que la personne a aussi pris. Voilà, le fameux carnet où toutes les pages sont illustrées. Beaucoup trop jolies. Et il y a aussi ces petites notes autocollantes chien. Dans cette commande, il y a l'ensemble carnet A5 avec la couverture. J'adore tellement ces produits, donc je suis contente qu'ils arrivent chez vous. Et voilà, je sais que vous serez conquis vous aussi par la qualité du papier. C'est difficile à expliquer, mais vraiment, le papier MD Paper, il est exceptionnel. Parce que je sais que ce qui est minimaliste a peut-être moins de chances, entre guillemets, de se vendre que les beaux carnets fantasy. La personne a pris aussi ce carnet qui, lui, est dans toutes les commandes quasiment parce que, voilà, il est vraiment original et j'adore aussi. Mais je trouve ça tellement génial aussi, les beaux,
les beaux objets un peu plus minimalistes. Et voilà, donc je suis contente. Allez, on continue. Là, je vais emballer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est ma 15e commande de la journée que j'emballe. Je continue le marathon. Là-bas. Ah, lequel? Vas-y, prends. Celui-là? Ouais. Bah vas-y, prends-le. Hein. Tu arrives pas? Celui-là? Ok. Alors. Tu peux appuyer dessus si tu l'avais encore. Bateau sur l'eau, la rivière, bateau. Nous sommes le 8 octobre, donc c'est le lendemain du lancement de la nouvelle collection. Ça s'est bien passé, il y a eu moins de commandes que le tout premier lancement, mais je m'y attendais, c'est normal, le premier lancement déjà c'était l'ouverture de la boutique, et il y avait aussi le double de produits proposés. Là c'était une petite collection pour patienter jusqu'à la collection de Noël, enfin voilà, qui arrivera début novembre. Mais il y a eu quand même pas mal de commandes, une quarantaine déjà, et bah, je vous remercie, ça fait chaud au cœur. Il y a eu plein de personnes qui ont recommandé, donc ça c'est... Ouais, ça touche parce que voilà, ça veut dire qu'ils étaient vraiment contents de leur première commande. Et il y a eu aussi plein de personnes qui commandaient pour la première fois, donc ça veut dire qui ont découvert Monoé entre-temps ou qui, voilà, peut-être ont préféré les articles de cette collection. Donc, que du positif, voilà. Que vous dire de plus? J'ai réussi à préparer hier 15 commandes, pas mal, sur juste l'après-midi. Et là, bah, je vais faire ça toute la journée pour que les commandes partent le plus vite possible. J'ai posté ce matin sur le compte Instagram la photo de la nouvelle carte de remerciement, donc qui ira donc dans les deuxièmes commandes, comme vous l'avez vu hier quand je préparais. Voilà, en fait sur Shopify on peut voir si c'est une première commande, une deuxième commande, une troisième, etc. Donc ça me permet de savoir à qui je dois donner quelle carte de remerciement. Voilà.
Et quoi d'autre? Bah c'est tout, hein, pas grand-chose. Ah si, bon. En une note plus négative, je suis malade pour changer. Les enfants sont des nids à virus et depuis que nous sommes parents, je dirais que de septembre à mars, nous sommes malades tous les week-ends. Et cet été, on n'a même pas eu de répit parce que j'ai même eu le Covid cet été. Mais en gros, ouais, c'est vraiment terrible. Et là, ça n'a pas manqué. Depuis la reprise de la nounou, on est tout le temps malade. Et donc, les filles nous ont refilé un énième virus ce week-end. Et moi, ça part direct en sinusite. J'ai des sinusites de l'au-delà. J'ai très mal. Hein, donc, il faut que je voie un spécialiste d'ailleurs pour ça. Mais voilà, donc c'est tout. Là, mal de crâne horrible, le nez qui coule tout le temps, évidemment. Et pas mal de fatigue, mais bon, il faut continuer quand même parce que, bon, de toute façon, là, avec le lancement de la nouvelle collection, pas le choix. Mais en plus, si je devais me reposer à chaque fois que je suis malade, en fait, je ne travaillerais pas, quoi. Donc, voilà, allez, c'est parti, je bois mon petit matcha. Je vais regarder un petit bout de L'amour est dans le pré pendant que je bois ce matcha. Et je vous retrouve après pour les préparations des commandes. J'ai une cliente qui a commandé tous les carnets et la couverture aussi pour ce carnet au format B6, ce beau carnet-là, magnifique, avec la couverture en tissu. Et elle a pris aussi les stickers, les monthly stickers, donc les calendriers mensuels que l'on peut coller dans n'importe quel carnet. Je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est dur de se rendre compte parce qu'en fait, cela, il n'y a pas de chiffres notés. Donc, en fait, on peut vraiment les coller dans ces carnets et faire, par exemple, dire que c'est le mois d'octobre et remplir ensuite soi-même, en fait, les nombres. Et il y en a 16 feuilles dedans, donc on peut faire vraiment un long agenda. Et si un mois, on n'a pas besoin d'avoir d'agenda parce qu'on n'a rien de prévu, je sais pas quoi, on n'est pas obligé de les utiliser. Donc, c'est vraiment très chouette. Et en plus, ils sont faits du MD Paper. Donc le même papier que les carnets qu'on vend. Donc ça se fond vraiment bien dans nos carnets. Et je voulais vous montrer. Là j'ai mis dans ce petit carnet, j'ai fait une page pour le mois d'octobre. Alors, ah voilà. Donc voilà, j'ai fait là. J'ai marqué octobre, j'ai marqué tous les jours du mois. J'ai mis un petit clip fleur que nous vendons aussi sur la boutique pour trouver facilement ma page. J'ai dessiné une petite citrouille entourée le 31 pour Halloween. J'ai rajouté un petit chien qui court dans l'herbe. Petite note autocollante que nous vendons aussi sur la boutique. Voilà un petit peu ce que vous pouvez faire avec ce genre de sticker. C'est vraiment parfait pour le bullet journal, voilà, ou pour vous faire juste un agenda personnalisé. Comme ça, vous pouvez choisir n'importe quel carnet et le transformer en agenda. La cliente a spécifié qu'il y avait un cadeau en fait dedans. Elle m'a demandé en fait un papier cadeau en extra. J'ai pas de papier cadeau, mais je vais mettre un papier de soie supplémentaire pour qu'elle puisse emballer sa commande. Alors, faut pas hésiter à m'envoyer un petit mot s'il y a quelque chose de spécial, si c'est pour un cadeau, etc. J'essaye de faire au mieux. Et je vais rajouter aussi une petite carte supplémentaire pour la personne dont c'est le cadeau. Comme ça, elle aura une petite carte aussi. Voilà. Petite pause lecture parce que j'ai vraiment une migraine atroce aujourd'hui.
J'ai un névralgie qui me prend l'œil et les dents. C'est vraiment très dur de se concentrer pour faire les commandes. J'ai hérité ça de ma maman. Voilà, c'est vraiment des migraines atroces, mais bon. Et rien n'y fait, les Nurofen, tout ça. Donc, j'ai essayé de m'apaiser un peu l'esprit en faisant un peu de lecture. En ce moment, je suis en train de lire ça, Crescent City. Ça, c'est le deuxième tome. J'ai beaucoup aimé le premier tome que j'ai dévoré. J'ai lu jusqu'à 2 h du matin, même une nuit. Le deuxième, j'ai mis un peu plus de temps à rentrer dedans. Je suis moins fan de l'histoire, en fait, du tome. Mais par contre, c'est un peu plus spicy. Il y a enfin un peu plus de scènes chaudes. Ça passe enfin à l'action. Ça, c'est pas mal. Mais par contre, l'histoire de fond, un petit peu moins, j'accroche un petit peu moins. Bon, ça reste bien, hein, voilà. Ce sont vraiment des pavés, parce qu'il y a 1000 pages. Et vous voyez, regardez ce que j'utilise en marque-page. Mes petites cartes, trop pratiques pour utiliser en marque-page. Voilà. Si vous n'en avez pas sous la main, mais que vous avez les cartes Monoé, vous pouvez faire pareil. Et là, je prenais le temps de boire une petite boisson chaude. Et je voulais ouvrir avec vous un colis parce que j'ai reçu les nouvelles cartes de remerciement, celles pour Noël. C'est moi qui fais l'illustration, vous savez, du chien Shiba. C'était dans le précédent studio vlog. Là, je suis assez émue parce que c'est la première fois qu'une de mes illustrations est imprimée. Donc, ça, voilà, ça fait quelque chose quand même quand c'est son propre travail sur une carte. Enfin, voilà. J'espère un jour pouvoir proposer des illustrations à la vente. J'ai mis ça en suspens du coup avec la création de Monoé. Mais là du coup j'ai réussi à lier un peu les deux en dessinant moi-même la carte de Noël qui se glissera dans les commandes. Des commandes à partir de novembre. Voyons voir. J'espère que je ne vais pas être déçue, hein. Ça rend trop bien. Voilà les petits Shiba. Et derrière, comme d'habitude, c'est toujours pareil. Oh là là! Ah bah ça fait vraiment quelque chose, hein. Et ça rend vraiment bien parce que j'aime bien parce que c'est un fini mat. Ouais, j'aime bien quand c'est mat comme ça. J'aime bien quand c'est pas glossy. Et du coup, on a vraiment l'impression que j'ai peint, dessiné directement sur les cartes. Ça rend trop bien. Bon, bah, j'espère qu'elles vous plairont, ces cartes. Je suis comme une enfant. Bon, bah, trop contente. Bon, j'en ai fait 250, donc va falloir commander sur la boutique. J'en ai peut-être fait trop, j'aurais peut-être pas dû en commander autant. Bon, il m'en restera pour l'année prochaine, hein. Voilà, au pire. Ouais, je trouve trop mignonne. Je suis contente. Là, je m'apprête à préparer une commande un peu spéciale parce que c'est pour ma copine Victoria, alias Mango and Salt, qui apparaît souvent dans ses vlogs. voilà, elle m'a passé une petite commande trop mignon. Voilà, les amis qui soutiennent, c'est comme les mamans. Donc, je vous montre ce qu'elle a pris. Elle a pris les petits clips fleurs. Voilà, elle a pris le beau cahier comme ça, Scandinavie. Celui-ci, maintenant, ça y est, il est officiellement épuisé. J'ai mis un sondage en story sur Instagram pour voir combien de personnes aimeraient que je le recommande et je vais essayer d'en recommander. Et elle a pris aussi ce beau cahier violet. Les pages sont aussi violettes à l'intérieur. Voilà. Je vais lui glisser cette petite carte en cadeau. J'adore vraiment préparer vos commandes, j'adore voir vos sélections et puis je trouve ça méditatif. Je me mets sur mon iPad un petit vlog où là, je suis passée à Pékin Express. J'aime bien, il n'y a pas besoin d'être super concentrée et ça me fait un peu de compagnie.
Et puis je prépare tout ça. Là, je vais vous montrer celle que je suis en train de préparer justement. Donc, nous avons des trombones teckels. Ils sont dorés, ceux-là, en forme de teckel. Trop, trop chou pour rendre la classification de documents plus fun. Et nous avons aussi dans cette commande du papier à scrapbooking. Beaucoup trop beau. Des petites notes autocollantes, chien. Et les clips fleurs qui seront sûrement déjà épuisés quand vous verrez ce vlog. Mais pareil, je vais essayer d'en recommander. Normalement, c'est prévu. Et voilà le travail pour aujourd'hui. Et on continue demain. Ah, je voulais vous montrer ma petite tenue du jour. Alors attendez, où est-ce que je vais vous mettre pour que vous puissiez voir? Ah, mais là, c'est peut-être pas mal. Hop. J'aime trop cette petite chemise. Louise Micha. Elle est vraiment trop chou avec. Je sais pas comment on appelle ça là. Ces petits macramés. Hop, dessus, elle est très originale. Toujours les manches bouffantes. C'est pour ça que les chemises Louise Micha sont mes préférées. J'adore vraiment les coupes. Voilà, un petit côté fleuri. Ce matin, j'avais mis une veste sans manches dessus parce qu'il fait un petit peu frais quand même. Mais à l'intérieur, ça va. Ça s'est radouci. Et sinon, j'ai encore pas mal de commandes à préparer ce matin. En plus, le mercredi, Lily Rose finit l'école à 12h30 et elle n'est pas gardée l'après-midi, elle va pas au centre aéré. Donc, je vais pas pouvoir travailler hein, cet après-midi. Je vais l'emmener à la danse et je vais normalement voir Victoria pour. On va se voir dans un café, voilà, juste vite fait, juste le temps du cours de danse, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc j'ai hâte. Mais là, il faut tout d'abord que je passe un petit peu de temps sur l'ordi pour contacter mes fournisseurs pour faire du réassort, parce que j'ai plusieurs produits qui sont épuisés, là, de la nouvelle collection, donc il faut que je recommande tout ça. Et puis voilà, après je passe aux préparations de commandes.
préparé la plus grosse commande de Monoé depuis l'ouverture. Je suis vraiment trop contente. Il y a les petits trombones, cœurs et étoiles. Et aussi les fleurs. Le masking tape onigiri. La carte lapin. Les petites cartes de messages qu'on peut glisser avec un cadeau avec ce petit ours trop chou. Plein de stickers. Les fantômes monstres. Scandinavie. Et beaucoup de carnets. Donc le petit fleuri. Celui-ci pour le journaling qui est vraiment très très beau. Celui-ci et deux petits cahiers pastel vert et rose. Rosé est rentrée de l'école, on a déjeuné ensemble et là elle fait un temps calme avec son papa. Ils sont en train de lire des histoires et après c'est moi qui m'en occuperai cet après-midi. On alterne vu qu'on n'a pas trouvé de moyen de garde pour l'après-midi où elle n'a pas école le mercredi. Et voilà, donc je me prends un petit break, j'en profite, je vais essayer de finir mon livre. Je sais pas si je vais réussir avant qu'on parte à la danse. Il me reste que 100 pages. J'ai voulu finir hier soir, mais il était déjà minuit et voilà, j'ai été raisonnable. Mais là maintenant, j'ai envie de savoir comment ça finit tout simplement. Enfin, il y a encore un tome dans cette série, donc c'est pas fini fini, mais au moins cette trame, voilà. Ça s'est un petit peu amélioré là, le livre. Sur la suite, je suis plus rentrée dedans, donc... Les retrouvailles! Coucou! On va aller se prendre une petite brioche. Et brioche? Ce goinfré, oui, ça fait bien trop longtemps. Ça fait bien trop longtemps. Livraison en main propre. Hey, j'ai ce privilège. Oh, c'est magnifique. Merci beaucoup. Au beau papier de soie et tout. Magnifique. Wow. Ça, c'est de la belle brioche. Le meilleur match à Amsterdam. T'as vu ce vert? La couleur est incroyable. Parfait, parfait. Elle a l'air divine. Voilà, ok. Allez, c'est parti. On va ouvrir cette brioche qui est fourrée à la crème de pumpkin. Vanille et courge. Waouh. Waouh, ça m'a l'air pas mal du tout. Ça a l'air bien gourmand. Moi, je goûte toutes les nouveautés de brioche. Ah ouais. Je suis le cobaye. Très bon. C'est très subtil la courge. On sent plus la vanille. Ah ouais, ça doit être trop bon ça. Comment perdre du temps sur...
arriver à scotcher. Mais en fait... Bonjour, nous sommes jeudi, c'est le dernier jour de la semaine où je peux travailler à plein temps. Demain, il y a Lila May avec nous et Lily Rose à partir de 14h45. Voilà, vous commencez à savoir notre emploi du temps. Il est déjà 13h50 à l'heure où je vous parle. J'ai beaucoup travaillé ce matin, mais c'était vraiment que sur mon ordi. Là, aujourd'hui, je monte en fait le vlog. Donc, ce vlog, je suis en train de monter. Voilà, il faudra que j'ajoute cette vidéo qui sortira dimanche. Je viens juste de commencer, enfin, aujourd'hui, j'aurais pas fini. Je pense, parce qu'il va falloir que je m'arrête dans pas longtemps pour préparer quelques commandes avant le retour des filles. J'essaye de sortir un vlog par semaine, j'essaye vraiment de me tenir à ce rythme, mais c'est assez intense comme rythme. Et surtout quand il y a des lancements de collections et tout, c'est un petit peu dur. Le but, c'est vraiment de réussir le jeudi à finir de monter. Mais la réalité, c'est que le vendredi, je continue, et que des fois, le samedi aussi, et le dimanche, je fais les dernières petites choses pour poster. Enfin bref, ça s'étale un petit peu. C'est chronophage, mais j'y prends du plaisir, donc voilà. Clairement, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, là, je suis en train de monter le vlog. Et par contre, je voulais ouvrir, parce que j'ai reçu un colis, une commande que j'ai passée sur la marque IC, une de mes marques favorites, vraiment. Et j'ai commandé plusieurs choses. Le but, c'est pas de tout garder, parce que clairement, j'ai pas les moyens de tout garder. Je veux voir, je voulais essayer, prendre le temps d'essayer. Les retours sont gratuits. Il n'y a pas de magasin IC ici. Donc voilà, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je commande même plusieurs tailles pour comparer et tout. Et puis voilà, donc c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Juste pour vous montrer ma tenue du jour avant d'ouvrir le paquet. Voilà, un petit haut à manches longues dans les tons verts, le vert de Monoé. Je suis corporate. Ma petite veste en manches, qui est hissée d'ailleurs. C'était l'année dernière, je pense pas qu'il l'efface encore. Je l'avais acheté l'année dernière et je l'adore vraiment. Je la porte tout le temps. Là, typiquement, je suis à l'intérieur. Il fait pas froid, mais voilà, j'avais un petit peu quand même un peu frais. Et juste d'avoir chaud ici au ventre et au dos, ça me réchauffe. Donc voilà, j'adore la porter. Allez, ouvrons ce colis. J'ai commandé ce haut à manches longues dans cet imprimé. J'adorais l'imprimé. Ils font aussi un body et un leggings dans cet imprimé. Le leggings, j'en avais déjà un imprimé fleuri comme ça que j'avais pris chez eux l'année dernière. Et les bodys, je le porte quand même moins facilement. Donc j'ai voulu tenter le haut à manches longues. Alors par contre, j'avais pas vu sur le site que le fond de l'imprimé est noir. En fait, les fleurs sont sur du noir. Et ça me plaît pas trop. J'ai commandé aussi un pyjama. J'en ai pas assez, j'en ai que un. Enfin, je tourne avec deux pantalons et j'en voulais un autre. Et ils avaient un bel ensemble fleuri. On voit pas trop, je crois, sur la vidéo, mais c'est orange les fleurs. Et j'aimais bien la coupe. Il y a le haut qui va avec, comme ça. Voilà. Je trouve que c'est agréable d'avoir des beaux pyjamas de temps en temps. Vous voyez, je sais pas, moi j'ai. C'est vraiment, dès que j'ai fini ma journée de travail, je switch, je me mets en pyjama, je me mets confortable pour jouer avec les filles, pour bouquiner. J'attends pas juste d'aller au lit et de dormir pour me mettre en pyjama. C'est vraiment un vêtement important pour moi. Le week-end, si on sort pas, s'il fait gris et qu'il pleut et qu'on passe à la maison, je peux rester toute la journée en pyjama, clairement. Donc voilà, avoir des beaux pyjamas. Mais par contre, au niveau de la matière, je sais pas si ça va me plaire. Faut que j'essaye cet ensemble. Et j'avais commandé aussi un pull sans manches comme ça. Vous connaissez ma passion pour les pulls sans manches, les vestes sans manches. Bon, ben voilà, j'ai vu qu'ils avaient celui-ci qui avait l'air très très beau. Et il est très beau en réalité, je dois dire.
Il a l'air bien chaud. Donc, je l'ai commandé aussi. Je l'ai pris en deux tailles. Donc, on va voir. Parce que ça, c'est le M et il me paraît déjà pas mal grand. Mais on va voir ce que ça rend les deux. Je vais quand même le passer en L d'abord. Non, mais en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est grand quand je vois les vêtements comme ça et puis je les passe et en fait, c'est pas grand. Enfin, ça, c'est le L et faut pas plus petit. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, les pulls que j'ai de IC, que j'avais pris en taille M l'an passé, me vont encore. Ils étaient vraiment très oversize. Mais là, typiquement, c'est pas oversize du tout. Celui-ci, il pourrait même être peut-être un peu plus grand. Qu'est-ce que vous en pensez? Il aurait peut-être fallu que je le prenne même en taille 42. Je vous jure, ça me déprime à chaque fois. Je suis partie d'un taille 36, puis 38, puis 40. Et là, je commence à y avoir des pièces que j'achète en 42. J'ai rien, enfin voilà, c'est pas le fait de faire un 42 ou quoi, mais c'est juste mon corps qui change tellement et voilà. Clairement, je me sens pas bien dans ma peau. D'ailleurs, pour que je retourne un vlog pour updater le vlog, je me sens mal dans ma peau, je vous mettrai le lien. Si vous l'avez pas vu, j'en avais vraiment parlé au printemps dernier. Je crois que c'est l'un de mes vlogs les plus regardés d'ailleurs. Ça vous avait fait beaucoup réagir. Et on me demande toujours où j'en suis maintenant. Bah, voilà où j'en suis. Mais je ferai un long vlog sur le sujet. Mais sinon, il est quand même très beau. Il tient tellement chaud. Et ça va vraiment bien avec ce top vert. Donc, je vais peut-être le recommander la taille au-dessus encore. Je vous mets les liens. De toute façon, je vais vous mettre les liens de... Même ce que vous me demandez à chaque fois. Donc, je vais vous mettre les liens des looks que je porte en barre d'infos. Et puis, voilà, les pièces quand je fais des unboxings comme ça. Comme ça, c'est plus simple. Vous pouvez retrouver facilement. J'ai passé le top pour vous montrer, mais c'est clairement trop moulant pour moi. J'aime pas être moulée. Mais depuis tout le temps, même quand j'étais plus mince. Donc là, clairement, ça moule. Voilà. Mais si vous aimez les hauts moulants, il est très beau. Et agréable à porter. Je suis pas convaincue. Je suis pas fan de la matière. Je la trouve assez froide en fait, vous voyez, là où j'ai envie de quelque chose de chaud, enfin de cocooning. Dommage parce que l'imprimé était vraiment joli. Mais bon, à ce prix-là, je garde pas si je suis pas 100% convaincue. Pendant que je filmais, on vient de me livrer un colis de Cézanne. Et j'ai reçu deux pièces sur lesquelles j'ai craqué, c'est des pièces assez fortes. Une veste sans manches de cet imprimé là, trop beau, et le pantalon assorti. Alors d'habitude je préfère quand même les pièces, on va dire, plus intemporelles pour pas m'enlacer, mais j'ai certaines pièces assez fortes comme ça dans mon dressing, donc justement je me lasse pas parce que ce sont des pièces fortes qui font une tenue, et vu que tout le reste de ma penderie est plus neutre, on va dire, plus unis, etc. Donc du coup ça permet de rehausser des pièces simples. Là typiquement ça va trop bien avec ce haut. J'ai pris la veste en taille 40. Elle se ferme pas, c'est vraiment juste décoratif on va dire. Et donc je vais passer le pantalon. J'espère qu'il va m'aller parce que je n'ai plus qu'un seul pantalon dans lequel je rentre. Ah mon dieu, c'est du 40, je n'arrive pas à rentrer dedans. Ah, dommage, il est trop beau. Mais sa taille est vraiment trop petite. Faut que je regarde s'il est encore dispo pour commander en taille 42. Ah là là. Les essayages, toujours un moment compliqué. Mais sinon, outre le fait que je n'arrive pas à fermer cette fermeture claire, ça fait un ensemble canon. Après, est-ce que j'oserais porter ce pantalon? C'est quand même très fort, parce que là c'est une pièce très forte. À réfléchir. J'ai flashé aussi sur ce collier.
des perles vertes. Il est très très beau. Bon, vous l'aurez compris, hein, je suis à fond dans le vert et le rose, mais bon, depuis très longtemps. Cette année, c'est à la mode, donc je suis ravie. Parce que d'habitude, l'hiver et tout, je sais pas quoi me mettre parce que les marques ne proposent que du noir, du gris, des choses comme ça. Couleurs que je ne porte pas. Mais cette année, il y a du rose et du vert. Donc, alors, est-ce qu'il n'est pas trop court? Parce que c'est mon problème quand c'est trop ras du cou. Il est quand même très court. Ça aurait été bien un peu plus long, quoi. Là, clairement, je trouve que ça va pas forcément avec la tenue, malgré ce qu'avec ça qui recouvre. J'ai toujours l'impression, je sais pas si ça vous fait pareil, mais quand c'est vraiment trop court, j'ai l'impression que ça m'étrangle. C'est dommage, il est vraiment magnifique. Je pense que ça peut être très joli avec juste une maille simple. Je vais l'essayer, je l'essayerai sur un pull, vous savez, simple, beige. Mais je pense pas que je vais le garder parce que j'ai cette sensation. Ouais, pour moi, il faut que ça descende un poil plus bas. Ah, dommage. Bon, vous voyez, voilà, ça fonctionne pas toujours les commandes. Mais je pense garder cette petite veste quand même, parce que j'aime beaucoup. J'en ai déjà une de chez Zane comme ça, et je trouve que dès qu'on la met sur une chemise, là, sur un haut à manches longues, bah, tout de suite, ça stylise un peu la tenue, ça apporte une touche de peps. Allez, je me remets au boulot. Je ne sais pas si je vais refilmer ensuite, après là, je ne pense pas. Donc je pense que c'est la fin de ce vlog. Donc j'en profite pour vous faire des bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de liker, de commenter. Merci, merci. Et on se retrouve dimanche prochain. Bisous. Mouah.